je me présente, je m'appelle Joanne Gresset, je suis professeur d'histoire-géographie au collège de Ressé-sur-Ours et également au collège de Semur en Auxois. En lien avec notre thématique du jour, je suis également le référent culture et le référent égalité filles-garçons de l'établissement. Aujourd'hui, je suis ici pour vous présenter donc le projet Archéovix, un collège enquête. Un projet que nous avons mené avec une classe de 6e sur l'année scolaire 2018-2019, mais qui s'est étendu surtout sur l'année 2019, puisque nous avons débuté ce projet au début d'année, autour de janvier, et il s'est terminé pour les journées de l'archéologie. C'est donc un film qu'ont réalisé les élèves sur l'archéologie, et plus particulièrement sur la tombe de Vix. Je vous donnerai le lien dans le chat pour visionner ce film a posteriori sans souci. L'idée de ce projet était avant tout de mettre en lumière, par le regard des élèves, la réouverture des fouilles du site de la Dame de Vix dont on a parlé précédemment, 66 ans après les premières fouilles. Donc je vous rappelle que c'est une tombe princière découverte en 1953 sur le mont de la Soie, donc à côté de Châtillon-sur-Seine, par Maurice Moisson et par l'archéologue René Geoffroy. Lors de cette découverte, on a donc deux découvertes majeures, le cratère en bronze dont nous avons parlé tout à l'heure, unique par sa taille, en plus d'un mètre cinquante et une capacité de plus de 1000 litres, et le torque dont nous avons également parlé, ainsi que l'ensemble du mobilier. La genèse du projet, pour vous expliquer un petit peu comment nous avons travaillé. Nous avons mené un partenariat avec Patricia Janeux, qui était anciennement médiatrice culturelle et pédagogique du musée. Alors c'était plutôt pratique, puisqu'on se connaît personnellement, donc on a discuté autour de cette réouverture des fouilles de la tombe, et on avait l'idée de mener un partenariat avec le collège et avec une de mes classes pour médiatiser un petit peu, via le regard des élèves, cette réouverture des fouilles. On a ensuite ouvert cette activité avec un partenariat plus large, donc la communauté commune du pays châtillonnais qui nous a soutenus, l'INRAP, et je vous l'ai dit tout à l'heure, l'objectif c'était de diffuser notre film pour les journées nationales de l'archéologie. L'objectif pédagogique, c'était aussi de créer une dynamique dans une classe de 6e qui était un petit peu particulière. On avait du mal à créer une dynamique dans cette classe. Les élèves se désintéressaient vraiment du cours classique. Ils avaient besoin de quelque chose d'un peu plus vivant. C'est vraiment la pédagogie de projet qui a permis de créer une réelle dynamique dans cette classe. Donc, on a profiter de cette réouverture des fouilles de la tombe de Vix pour signer une convention donc avec le musée du pays châtillonnais. L'objectif était donc de parler de l'archéologie avec des élèves de 6e, ce qui n'est quand même pas simple puisqu'ils sont assez jeunes, donc tout un tas de termes techniques qui étaient difficilement accessibles pour eux. L'intérêt aussi de casser l'image mentale de l'archéologie et des archéologues qui j'avais tous, et de susciter un intérêt nouveau pour le patrimoine local. Puisque en réalité, les élèves de Ressé-sur-Ours connaissent plutôt bien le musée du pays châtillonnais, ils y sont allés parfois en maternelle, très souvent en primaire, et quand on leur parle du musée de Châtillon, on n'a pas encore travaillé sur le musée de Châtillon et les dames de Vix, puisqu'ils connaissent plutôt bien cette histoire locale. Là, l'idée était donc de leur dire qu'ils allaient être acteurs de ce projet, de poser un regard nouveau sur cette tombe de Vix et sur le musée. La question du genre, puis c'est ce qui nous intéresse à ce moment-là, s'est posée dès les premières séances. Puisque en réalité, on a travaillé sur l'image qui a été diffusée, Madame Vial, de cette dame de Vix dans les années 60, pour comprendre qui était cette princesse, qui était-elle, quelle était sa place. On s'est questionné aussi sur la relation des femmes et du pouvoir dans l'Antiquité. Mais bien sûr, tout cela était assez limité puisqu'on a affaire à des élèves de 6e, donc on n'est pas allé très loin dans la réflexion. On a finalement peut-être plus posé de questions que,
que d'apporter de réponse. Ce qui est toutefois intéressant de remarquer, c'est que pour les élèves, le questionnement sur le genre n'était pas un questionnement finalement en soi. Le fait que ce soit une femme ne les a pas plus interrogés que ça. Quand on en a discuté, en effet, ils se sont posé la question, mais au départ, c'est pas du tout quelque chose qui les a interloqués. Donc l'objectif, comme je vous l'indique sur le diaporama, c'était de comprendre l'héritage archéologique des Vikings et de faire un bilan des premières fouilles, quels étaient les acquis de la fouille dans les années 50 et quelles étaient les interrogations qui restaient en suspens et auxquelles les nouvelles fouilles allaient tenter, en tout cas, d'apporter des réponses. Donc, on a commencé par monter un petit dossier de classe archéo avec les élèves, avec l'intervention de Patricia Jeannet qui est venue deux fois en classe sur deux matinées. On a tout remis à plat avec les élèves, comprendre donc ce site funéraire, ce site de Vix, enfin, remettre tout dans le contexte. Hein. On a travaillé sur une fosse chronologique, on a travaillé sur les anachronismes, on a travaillé aussi sur cette chambre funéraire. Donc, vous voyez sur le diaporama, ils ont travaillé sur des reportages donc assez anciens, ce qui a permis aussi d'apporter un regard sur la recherche archéologique dans les années 60 et aujourd'hui, une critique de tout cela. Et ensuite, on a travaillé sur des maquettes. Donc, vous voyez en haut à gauche la maquette du palais de la Dame de Vix. Et nous avons tenté de reconstituer une maquette de la tombe, donc très modestement, hein, avec des objets en réalité. Ce sont la plupart des Playmobil. On a travaillé avec des Playmobil, donc je suis désolé pour les archéologues qui seraient peut-être un petit peu choqués par cette utilisation, mais bon, c'était surtout pour les élèves de 6e d'avoir des objets de la tombe de Vix. C'était essayer de les replacer et de comprendre pourquoi on pouvait trouver ces objets sur un site funéraire. Donc là, on était vraiment dans le questionnement avec ces élèves. On en a profité pour élargir. Au-delà donc de la tombe de Vix, de travailler sur l'archéologie et sur des métiers de l'archéologie. Alors, ça fait un petit peu écho à ce qu'a dit Madame Vial tout à l'heure. On a demandé aux élèves ce qu'était pour eux un archéologue. C'est vrai qu'ils avaient une image mentale préconçue, hein, en gros Indiana Jones, c'est pour résumer très grossièrement leur image mentale. Et donc, on a fait intervenir une archéologue de l'INRAP, Bérangère Faure, qui est venue parler aux élèves de son métier et des différentes disciplines de l'archéologie. Donc, là, ici, avec les élèves, donc on a pu aborder des termes techniques, la palynologie, la carpologie, la tracéologie, enfin, voilà, tous les champs de l'archéologie avec nos élèves. Et elle a présenté également sa spécialité. Bérangère Faure travaille sur les métaux de l'époque romaine. Au-delà de la simple classe archéo de mes élèves de 6e, Madame Faure a aussi présenté son métier, les métiers de l'archéologie dans le cadre du parcours à venir, aux latinistes de l'établissement et à tous les élèves volontaires qui pouvaient s'intéresser au métier de l'archéologie. On a profité de sa venue pour élargir sa présentation aux autres élèves du collège. Alors, plus concrètement, ce projet donc ArchéoVix, les élèves ont été acteurs du début à la fin. Très vite, s'est imposée l'idée de faire un film que nous allons diffuser lors des journées nationales de l'archéologie. En deux mots, le synopsis donc choisi par les élèves hein, de ce film, la Dame de Vix est un fantôme, elle se réveille en 2019 et elle arrive au musée et elle découvre les collections. La Dame de Vix va suivre une famille du Châtillonnais qui visite le musée. Alors, cette famille ne voit pas la Dame de Vix, mais la Dame de Vix, elle, peut observer la famille. Et le petit garçon de cette famille se pose des questions sur le cratère, sur les objets, et à chaque fois, on a une intervention de spécialistes
qui éclaire un petit peu le questionnement de cet enfant. Donc les élèves ont choisi de faire intervenir Patricia Janeux, donc il y a un des élèves qui incarne Patricia, on a un élève aussi qui incarne Dominique Garcia depuis son bureau de l'INRAP, vous pouvez découvrir tout ça dans le film. Lors de cette visite au musée du pays châtillonnais, les élèves ont pu aussi, ils ont eu la chance de pouvoir approcher le crâne de la dame de Vix. Donc pour eux, l'archéologie et l'histoire devenaient concrets. C'était plus quelque chose, voilà, qu'on étudiait sur des manuels en salle de classe. Là, ils pouvaient vraiment, sans toucher à proprement parler, mais vraiment s'imprégner des traces archéologiques dont nous avons à disposition. Donc, vous voyez ici les élèves devant le cratère et l'ensemble des collections du musée. Donc, comme je vous l'ai dit, on connaissait pour la plupart plutôt bien ce musée. Donc, le but, c'était de faire un petit bilan de leurs connaissances et d'aller un petit peu plus loin pour pouvoir amorcer l'écriture des scénarios et du synopsis. Alors, on a fait un petit jeu de pistes qu'on avait créé avec Patricia dans le musée. Vous le voyez ici avec les différents objets retrouvés sur le site funéraire pour pouvoir se repérer et s'approprier un petit peu tout le matériel funéraire. On a profité l'après-midi pour faire un atelier pédagogique sur la céramique. Donc, vous voyez ici Patricia Janeux qui explique aux élèves le but de cet atelier. Et rapidement, vous voyez donc les élèves qui s'initient donc à la reconstitution de céramique. Donc, comme je vous l'ai dit, au-delà du simple film, on a essayé d'élargir vraiment dans tous les domaines de l'archéologie. Donc, à partir d'avril, courant du mois de mai, nous avons écrit donc les scénarios et les dialogues. Et encore une fois, tout le travail est un travail d'élèves, hein. Nous, on était juste là pour les encadrer. Donc, ils ont réparti les scènes, ils ont ensuite écrit les dialogues. On a fait tout un travail donc sur les anachronismes, sur les données scientifiques. Alors, bien sûr, il y a des imperfections, hein. Ça reste un travail d'élèves et non de spécialistes. On a tenu à intervenir le moins possible et vraiment les laisser acteurs de ce projet dans la globalité. Ici, les élèves en train d'écrire les scénarios. Là encore, quand je vous dis que les élèves ont été acteurs, ils ont été acteurs même sur les compétences techniques. On a des élèves qui ne souhaitaient pas intervenir en tant qu'acteurs, donc qui ont préféré être derrière la caméra, c'était tout aussi important. Donc la maîtrise de la caméra, la maîtrise de la perche, la maîtrise de l'audio, etc. On a essayé de travailler toutes ces compétences. Vous pouvez remarquer qu'on a la chance au collège de Rossessour d'être assez bien équipé en matériel vidéo et audio, ce qui nous a permis aussi de faire ce film. Malgré tout, on a eu un petit souci, vous verrez si vous allez visionner ce film, on a eu un petit souci de micro, la prise de son n'était pas très bonne le jour du tournage. Donc, malheureusement, le son de la vidéo est assez médiocre. C'est les aléas du tournage. Donc, vous voyez les élèves qui répétaient dans le gymnase au collège. Le film dure entre 10 et 15 minutes et on a eu une journée entière pour tourner au musée. Donc il fallait être assez efficace. Une journée de tournage, malgré tout, c'est assez court. Donc on s'est servi du gymnase pour pouvoir répéter les scènes avant le jour J. Donc le jour du tournage, au mois de mai 2019, au musée, vous voyez ici toute l'équipe technique et les élèves donc, qui se sont déguisés hein, pour le film. Voilà, le jour du tournage donc, dans les rues du musée de Châtillon, donc avec la dame de Vix ici, au centre de l'image que vous pouvez observer, qui arrive donc au musée en 2019.
Ouais, l'équipe technique. Et donc, le 14 juin 2019, les élèves ont eu la chance donc de pouvoir diffuser leur film donc à leur famille principalement. Était présent aussi la directrice du musée de Châtillon, des journalistes, le principal du collège et des élus locaux. Donc les élèves avaient préparé un petit discours pour expliquer le projet, expliquer leur film. Donc c'était vraiment une fierté pour eux d'avoir réussi le pari de créer un film sur un sujet plutôt assez difficile hein, pour les élèves de 6e, et d'avoir tenu surtout le temps imparti, d'avoir pu diffuser ce film à la mi-juin. Voici l'image du discours des élèves. Donc c'était au sein du musée. L'aboutissement du projet, donc en octobre 2019, après avoir beaucoup entendu parler de lui, les élèves ont pu rencontrer Bastien Dubuis sur le site de la réouverture des fouilles, donc grâce à la communauté de communes qui a pu nous permettre de nous rendre sur le site de fouilles. Donc c'était vraiment très intéressant pour eux puisque on en a parlé, on a vu des objets, etc. Mais concrètement, le site de fouille, ils ne l'avaient jamais vu. Il n'y en a aucun d'entre eux qui s'était rendu sur le site de fouille. Donc c'était vraiment l'aboutissement de ce projet qui prenait forme en octobre 2019, une fois qu'ils étaient en cinquième. Donc de façon plus large, hein, sur le parcours à venir, ce projet nous a permis de travailler sur les métiers de l'archéologie, sur les métiers du patrimoine, de casser aussi ces images sur la question du genre dans ces métiers également. Dans le cadre du PESC et du cours d'histoire, donc de retravailler les compétences sur l'Antiquité, la place des femmes dans l'Antiquité. Encore une fois, c'était très modeste, mais on s'est malgré tout posé la question aussi des rites funéraires et des relations diplomatiques. Et enfin, sur les compétences transdisciplinaires, on a travaillé, comme je vous l'ai dit, des compétences de travail de groupe, la solidarité. On a essayé de repérer les points forts de chaque élève pour faire corps et pour créer une dynamique de classe, le travail sur l'écrit, le scénario, sur l'oral, puisque le jour du tournage, il y avait des acteurs qui avaient des compétences orales à travailler. Donc c'était vraiment un projet qui nous a permis de créer une dynamique de classe dont on porte encore les fruits aujourd'hui, ils sont en quatrième actuellement, et c'est vraiment une classe qui fonctionne très bien aujourd'hui et qui est très fier de ce projet. Voilà, j'ai essayé de faire rapide pour vous présenter ce projet sur la Dame de Vix. Je vais vous diffuser le lien dans le chat si vous voulez consulter des extraits ou l'intégralité de ce film.